Les Lolo Boss, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est rare que je fais un direct un peu tôt. Mais j'ai trop de courses aujourd'hui. Partagez-moi le live. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages, je veux voir les cœurs. Voilà, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Oui, oui, Odette, je vais chauffer un peu. Je ne vais pas faire ce direct-là sur ma nouvelle page parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille signaler encore ma nouvelle page. Donc, je préfère faire sur cette page qui est au rouge. Voilà. Je préfère faire sur cette page-là et le message va passer. Donc, convoquez-moi. Il n'y a pas de souci, Mimi. Convoquez-moi Aïcha la Camoise avec l'unique Baker. Ces deux-là, je vais les dire deux petits mots. Ce matin-là. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller avec ça. Voilà. Moi, j'ai fini de prendre mon bain, petit maquillage. J'ai dit, ok, je vais faire ça un peu propre. Là, quand les gens vont se réveiller, ils vont voir un peu le message de Lolo Beauté. Partagez-moi le direct. Taguez-moi. J'ai dit Aïcha la Camoise. Et puis l'unique Baker. Venez vous asseoir. Ces deux-là, aujourd'hui-là, c'est votre jour. Je vais m'occuper un peu de votre libidose. Quand je vais finir là, vous allez aller mougou. Donc partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Le direct n'est pas partagé. Maman, aujourd'hui, c'est le soco. Comme on le dit au Cameroun, le soco, on va se socosser. Est-ce que Aïcha la Camoise sait dans quoi même elle est même? Je la regarde même et puis moi, mais j'ai pitié. Est-ce que Aïcha la Camoise sait dans quoi? C'est pas dans toutes les choses, il faut faire le papatoya, le soco. Est-ce qu'elle sait ça même déjà? Je me pose la question. Je me pose la question. Aïcha la Camoise à gauche. L'unique Baker à droite. Bon, ces deux-là même, on peut les mettre ensemble. Vous formez très beau couple. Je suis en train de les regarder par qui je vais commencer d'abord même. Je commence par qui même, d'après vous. Partagez le live, s'il vous plaît. La page est déjà au rouge et puis le matin, les gens ne savent pas que je fais direct. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. On va rire un peu aujourd'hui. Je vous mets de bonne humeur. Entre les deux, là même, là. De commencer, c'est-à-dire de prendre qui d'abord en premier. Parce que j'ai fait 30 minutes sur Aïcha. Bon, 20 minutes. Et puis 20 minutes sur l'unique. Un peu quoi. Je vais jongler un peu entre les deux, là. Donc, je ne sais pas par qui je vais commencer, d'après vous. De commencer par qui? Est-ce que vous avez dit à Aïcha, la Camoise, que Lolo Beauté, elle est bête? Elle n'est pas très intelligente dans certains domaines. Est-ce qu'elle est au courant de ça? À ta main? Je me réveille. Je vois sur la page de Mimi Beauté. Vidéo, bah c'est là-bas tous les résumés se trouvent. Mimi Beauté Boss. Je vois le résumé d'Aïcha Camoise en train de se tirer. Genre, elle va prendre 3 cm sur sa taille. En train de se tirer. Il est, vous savez, en train de à gorge déployée. À damant.
Aïcha Kamoise, c'est de mon con, toi, tu es arrivé. Adama, tu vas laper mon pétouf en plein live. Oui. Garde que tu me dis de chercher qui me ressemble là. Je ne cherche pas loin. Tu vas laper mon con. En bris. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté, partagez-moi le direct. Mettez-moi les cœurs. Le direct n'est pas partagé. Partagez-moi le direct. Ta bouche, tu fais la Sanaka, c'est limité au Cameroun. Hein. Faut pas savoir arriver sur mon Lolo Beauté. Ben, tu ne sais même pas de quelle nationalité je suis. Je suis d'une nationalité douteuse. Tu vas laper mon pétou. J'ai dit aujourd'hui, c'est la bouche d'Aïcha Kamoise qui va laper mon pétou jusqu'à l'eau va sortir. Si tu ne m'as pas fait... Hey, faut pas m'énerver. Tu es trop petite dans mon affaire. Il faut te calmer. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et puis, convoquez-la, moi. Oui. Je ne voulais pas aller salir ma page. Vous pensez que comme Lolo Beauté dit, je m'assagis bien Lolo Beauté amoureuse, là. Genre, j'ai perdu mes réflexes de clash. Je ne peux jamais perdre mes réflexes de clash. Pour moi, c'est de là. Convoquez-la, moi, cette petite fille-là. Cette petite fille-là, convoquez-la, moi. C'est sur moi Lolo Poté, sur moi mon Pétou, les histoires de moi mon Pétou, que toi tu vas arriver, tu vas me laper. C'est sur mon Pétou, tu es arrivé, tu vas rendre justice et témoignage de mon Pétou, Aïcha Kamoise. Tu vas rendre témoignage et justice pour le Pétou de Lolo Poté. Viens t'asseoir. Partagez-moi le direct. Il dit le direct n'est pas partagé. Donc partagez-moi le live. Partagez dans tous les groupes. Mettez-moi les cœurs et puis partagez-moi le direct. Moi, écris pas, hein. J'ai déjà une voix autoritaire. J'ai vu une petite fille de 1m42 dans une voiture en train de chacasser dans les histoires de Pétou. Qui est en train d'être pilonné. Ah oui, toi Lolo là, Lolo, tu dois aller prendre ça. Tu dois, on ne doit pas te voir avec un Tiesco le sultan. Viens t'asseoir, petite mal maplao, mal mougoulis. Viens t'asseoir. Quand je te regarde même, toi tu ne ressens pas une Camerounaise. Tu es bizarre. Sinon c'est la première fois que je vois une Camerounaise chômée comme cela. Tu es bizarre. Ou bien c'est ta taille qui fait fuir les comment on appelle ça? Les hommes. Je vois une petite naine assise dans une voiture en train d'écrater son pétou. En train de dire, vous avez peur de Lolo. Ma chérie, tu parles à une daireuse. Viens t'asseoir. Les histoires que tu ne connais pas, je vais t'apprendre. Quand je vais finir mon direct, je vais te trouver un mougousseur babilinqué. Qui va te faire ça propre. Parce que j'ai l'impression que, vous savez, nous les femmes là, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Quand on accouche, il y a l'eau qu'on verse. Souvent, l'eau qu'on a dans notre ventre après accouchement là, si tu ne trouves pas un bon pilonneur, l'eau la reste là-bas. C'est cette eau qui reste après accouchement là, qui fait qu'il y a des filles qui sont surexcitées, qui sont nerveuses. Je te trouve très agitée, ma petite. Je te trouve très agitée. Je t'ai trouvé une fille qui manque d'un baiser. Assieds-toi. Je vais te trouver. Mais avant de te trouver là, tu vas laper mon pétou. Oui. Et tu vas me mougou sans vaseline en plein direct, toi et moi. Un débat mougoulistique en plein direct. Écarté Cameroun, Côte d'Ivoire. Deux gars qui se mougoussent. Assieds-toi bien. J'ai vu le live de Aïcha la Kamoise. Très agité. Mal mougou. Dans une voiture. En train d'écarté, maman. Ces petits membres de 0,5 cm là, Lolo, c'est pas ça. Hé, hey,
Quand moi on me parle, on dépose la main. Ne m'effraie pas. Je vais tirer ton cou là. Tu vas te placer raide. Et tu vas me regarder dans les yeux et puis me parler. Comment je te parle? Regarde, regarde la dimension de mon cou. Regarde comment je suis raide. Je vais te faire tenir raide et puis tu vas me parler. Parle-moi avec beaucoup de respect. Même si tu es en train de fouiller dans mon caleçon, ma petite. Parle-moi avec beaucoup de respect. Quand tu es en train de fouiller dans mon caleçon. Parce que mon caleçon actuellement, je suis même sans slip, sans caleçon. À l'air là, je me promène maintenant sans caleçon. Parce que je ne sais pas où mon chéri va me dire paix. Donc je suis sans caleçon. Donc c'est bien un avantage pour toi. Déshabille-moi en même temps. Partagez-moi le live. J'ai vu ma petite camoise, en tout cas comme moi j'aime bien, mais qui aime bien châtie bien. Oui, oui, oui. Façon tu aimes Lolo Beauté, là, c'est comme ça moi aussi je t'aime. Dans mes froufrous là, tu m'as jamais vu parler de toi, hein. Je n'ai jamais fait un truc sur toi-même. Parce que je t'aime bien de loin. Mais comme tu veux rentrer dans les histoires de poils, ah oui, 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 tu vas me raser en direct. J'ai vu une petite surexcitée. Mais donnez-lui un bandilinqué là-bas. Mais diantre, il n'y a pas de garçon au Cameroun pour pilonner celle-là pour qu'elle grandisse un peu. Parce que oui, quand tu es un bon pilonneur, on pense que tu as grandi. On pense que la taille a augmenté au moins de quelques centimètres. Ma chérie, tu es quoi ou quoi? Tu es quoi brûlé? Mais donnez-lui un babilinqué sorti d'une forêt. Les babilinqués qui plantent les maniocs là. Qui mangent le manioc là. Mais donnez-lui. Pourquoi vous faites ça même? Aïcha la camoise vous fait le soco. Aïcha la camoise vous casse les papos. Aïcha la camoise vous donne de la bonne humeur. Mais donnez-lui un babilinqué robuste, dur. Qui va lui faire sa propre. Parce que j'ai vu une détresse dans sa vidéo. Non mais franchement, j'ai vu une femme en détresse qui est en train de crier « Oh c'est quoi? Venez oh! Venez oh! Venez oh! Venez oh! Les gars, ils sont où? » Il n'y a pas de gars en Bamileke là-bas, au Cameroun là-bas, à Yaoundé. Maman, les garçons, si on fuit maintenant pour venir en Côte d'Ivoire ou quoi? Ouh! Alerte, alerte! Ouh! Alerte, alerte! Lolo Beauté recherche un babilinqué robuste pour Aïcha la Camoise pour la pilonner là où il faut. Elle va grandir un peu. Franchement, ma petite, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me pose la question. C'est dans moi. Moi, je suis en train de moukou. Toi, tu prends ma télatone pour masser ton pétou. On peut faire ça. Je suis en train de pilonner. Je suis en train de me faire plaisir. Je suis en train dans un... Hey, ma chérie. Toi, tu assises chez toi avec ma télatone en train de masser ton pétou. Ma chérie, il y a quoi? Tu es amoureuse de moi? Tu es amoureuse de moi. Parce que vous les filles, vous avez des sensations bizarres après quand vous faites les enfants. Quand vous finissez de faire les enfants en Europe, que vous ne trouvez plus d'hommes pour vous planter le planter là où il faut. Vous cherchez maintenant les femmes-ci pour les laper. Et je ne mange pas de ce fruit, Aïcha Camoise. Je ne mange pas de ce fruit. Franchement, pousse là-bas. D'ailleurs, tu n'avais pas la taille requise, mais je cherche les personnes grandes de taille. Un peu. Donc, pardon. Pousse là-bas, mets-toi là-bas un peu, grandis un peu d'abord avant d'arriver sous mon pétou. Je suis en train, on est en train de me masser, en train de me faire, maman, les nuits suivent de la gloire. Voilà Aïcha la Camoise qui devait être de mon camp parce que tu as aussi des enfants avec nos baiseurs. Toi, tu as venu, toi, une petite pisseuse. Toi, tu vas venir me dire à moi, Lolo Beauté, une dangereuse. Une collectionneuse, ex-collectionneuse de Bangala. Tu vas venir m'apprendre. Qui va venir moi me masser? Tu vas venir me dire que oui, je dois être avec les hommes de ma classe.
ma chérie. Tu n'es pas une Camerounaise ou quoi? Chassez Aïcha Kamouaze du Cameroun et puis prenez-le en beauté. Tu n'es pas une digne Camerounaise. Maman, tu es une vendue. Laisse-moi te dire, Aïcha Kamouaze, j'ai le corps d'une Ivoirienne et j'ai le clito d'une Camerounaise. Ça bat mille à l'heure. Paka, 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 sous tension. Tu es une Camerounaise ou pas? Je commence à douter de ta nationalité. Je commence à douter de toi. Mais chasser cette fille-là, elle ne représente pas le Cameroun. Une femme camerounaise a le clito qui bat mille à l'heure. Quand elle s'assoit sur un homme, elle prend le jus. Maman, qu'est-ce que tu dis, ma petite? Tu vas venir, moi, m'apprendre Lolo Beauté. Qui je dois aller chercher pour être en couple? Tu connais le battement de mon clito? Ça bat mille à l'heure. Et paka, 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 paka. Tu penses que je peux prendre ça pour donner à une personne qui en veste? Maman, le coco, l'éjaculation précoce. Qu'est-ce qu'un homme, à partir de la quarantaine, peut moi, venir, il ne peut pas me soulever? Tu dis quoi, mais tu n'es pas camerounaise. Je suis déçue de ta nationalité. Parce que je respecte les femmes camerounaises. Parce que si une camerounaise attrape un homme, elle ne lâche pas sa proie. Elle le suce jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau. Mais toi, tu as sucé comment? Un peu, tu ne peux pas te trouver un babilinqué qui va te planter là où il faut. On ne prend plus les hommes à la quarantaine. On les prend maintenant au berceau, ma maman. Oui. Maman, le berceau, c'est qui va me projeter. Écarter les deux pieds au nom, suis-je. Laisse-moi te dire. Quand tu es une femme qui a réussi ta vie, qui a déjà fait des enfants, tu ne cherches plus un homme pour la forme. Tu cherches un homme qui peut te masser, te planter. Maman, te donner de l'énergie. Regardez comment j'ai de l'énergie ce matin. Là où il faut. Trouvez-lui un babilinqué diantre là-bas. Qui va cogner celle-là, elle va prendre au moins 5 cm sur sa taille. Tu vas venir parler à mon Lolo Beauté. Ton mon Lolo Beauté, partagez-moi le direct. Attends-moi. Hey, j'étais surprise. Maman, toi, tu peux me donner mon conseil. Maman, toi, tu es Ivoirienne, Aïcha Kamouaze, tu es faible. Tu es faible. Tu es faible. Moi, j'ai un sang camerounaise. Un clito camerounais et un corps ivoirien. Je chicote. Là, il faut chicoter. Je ne blague pas avec mon histoire de massage clitorien. Je ne m'amuse pas avec ça. Parce que c'est la seule chose que Dieu a créée où la nourriture ne passe pas. Tu ne comprends pas ça, ma chérie? Tu ne sais pas que les histoires de massage du bas, c'est très important. Tu es quoi, ma petite? Il faut te décroire. Tu es trop petit dans les histoires de souterrain. Les Ivoiriens, ils sont trop romantiques. Ils sont faibles en amour. Oui, on est un peu faible, on est un peu romantique, on est un peu truc. Voilà, les femmes ivoiriennes, je n'ai pas dit qu'elles sont faibles, Louli. Elles sont faibles parce qu'elles aiment laisser tout. Moi, j'ai un sang camerounais. Maman, tu es né où? Tu es dans quoi? Tu viens me regarder, moi, Lolo Beauté. Quelqu'un qui a déjà fait 5 enfants. Maman, tu sais le litre d'eau qu'il y a dans mon bas-ventre. Tu sais le litre d'eau que je dois dégager dans mon bas-ventre. Tu penses que je vais aller prendre un homme avec cravate, rempli de coco, éjaculation précoce, qui va venir dire Lolo Beauté, je vais te planter. Tu vas me planter quoi? Ne me fais pas, je vais mettre ripsi enfant de kéké. Ne me fais pas. À partir de la quarantaine, Lolo Beauté va faire quoi avec un homme qui a déjà dépassé la quarantaine? Tu me parles de quoi? Quand oui, on doit te voir avec une personne riche. Je t'ai dit que je cherche de l'argent. Je ne suis pas une suceuse de diamants. Je suis déjà riche. J'ai les moyens de ma politique. Oui, ma petite. Une femme qui a les moyens, une femme qui est reproductrice, arrivée à un certain âge, elle décide avec qui elle va choco. Elle décide qui la choco. Moi, je ne suis pas là pour regarder les yeux des gens. Hein. Je ne suis pas là pour regarder le jugement des gens. Je ne suis pas le genre de femme où on va dire, non, toi, Lolo Beauté, là, tu as la culotte légère. Maman, je m'ouvre, toi, tu m'as sorti
patiente. Arrivez à un moment donné, mais laissez-le le bouton se faire masser dans la paix du Seigneur. Laissez qu'on me masse. Maman, voilà les gens de filles ici qui ne trouvent pas un bon babilinqué pour les faire ça propre comme on est en train de faire à leur beauté. Maman, l'aigreur. Maman, c'est quand jalousie ça m'a tête. Quand oui, je dois chercher un homme en classe, on t'a dit que moi, mon tiesco, mon bagnon, il n'est pas classe. On t'a dit que moi, mon tiesco, je vous dis ce que moi, mon tiesco me fait. Mon père ne peut pas le faire. Maman, écoute ça et puis capte bien le son. Parce que c'est le nouveau son qui va sortir. Ce que mon chéri, le pilonnement que mon chéri me fait ici. Maman, quand il le fait, j'oublie que je suis sorti d'un père et d'une mère. J'oublie même que j'ai une famille. C'est le seul endroit où tu penses que tu as quitté au ciel pour tomber. Parce que tu es en communion directe avec le Saint-Esprit. Avec un corps. Est-ce que tu comprends un peu? Maman, tu vas venir moi m'apprendre mon domaine. Ma chérie, parle de tout. Mais sauf de ça. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour qu'on oublie nos problèmes. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour qu'on oublie que le matin, il y a des factures qui nous attendent dans notre boîte aux lettres. C'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour dire, ma fille, c'est ton corps. C'est mon corps, je mourrai quand je veux. C'est mon père, tout je mourrai comme je veux. Le Saint-Esprit m'a dit, lolo mourrai bien. Alors je vais mourrai jusqu'à ma mort. Tu penses que tu viens et tu dis, je suis dedans. Je suis dedans. C'est mon père, tout je mourrai jusqu'à la fin. C'est mon corps, je donne à qui je veux. Vous, votre problème se trouve où? Libérez mon âme, parce que je suis être en train de mourir. Je vais chanter pour ça. Bientôt, je serai artiste, musicienne. Dans la musique, parce que je respire. Mettez les cœurs et partagez-moi le direct. Le direct est attaqué. Je vais t'apprendre. Je vais dire que je vais finir, toi. Toi, l'unique. Prépare bien. Déteste-toi. Crois qu'ils sont en bas de toi. Là. Je vais venir te réchauffer, c'est un peu. Tu n'as pas dit que deux jours là, tu es quoi? Tu n'as pas dit que celle avec qui tu es, là, elle te satisfait pas, ça pour ça. Tu es en train de mettre ta gueule dans mon affaire. J'arrive à toi. Je ne peux jamais changer. Oui, Jésus revient bientôt. C'est la seule chose que Jésus a créée. Où il a dit que la nourriture ne doit pas rentrer. Il a dit que c'est le bangala qui doit rentrer. Pourquoi vous voulez transformer les versets bibliques? Oui. Quand Dieu m'a créé là, il a mis un trou en bas de moi pour qu'un pilon vienne pilonner. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur ne m'a jamais dit que ce qui est en bas de toi là, il faut gâcher ça. Il a dit reproduisez la terre. Je suis une digne fille du Seigneur. Je vais reproduire la terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant que vous êtes venus avec vos lois. Sinon, au temps d'Adam et Ève, il a dit reproduisez-vous, je me reproduis. On se reproduit, on faisait quoi? C'est bisous. On se reproduit en mourussant. Laissez-moi me reproduire dans la paix du Seigneur et dans la gloire du Saint-Esprit. S'il vous plaît, sinon je vais vous prêcher ce matin. Mon affaire de Tiesco là, je vous le dis aujourd'hui, c'est que lui là, il me donne. Vous m'avez une fois venu parler comme cela. Laissez-le, il va se concentrer sur mon corps. Laissez mon Tiesco se concentrer sur ma vie. Laissez mon Tiesco. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Moi j'ai fait mon choix. J'ai dit mon choix 2023 que je vais afficher. Non, bien que ça me plaise aux gens ou pas. C'est Tiesco mon bagnon. Oui. C'est lui que j'aime. Moi, le côté, je ne suis pas le genre de femme qui reste avec un homme pour la forme. Non, je reste avec un homme pour sa force et son dévouement envers mes parties génitaux. Restez là. Regardez-moi. Je suis en train de me faire les choses. Il y a des femmes qui sont assises là-bas. Et moi, on me pilote. Elles prennent ma télatone. Elles sont assises dans les chambres là. Et toi, Lolo Beauté là, tu ne penses pas que tu es assez vieille? Et c'est sur l'enfant là, tu as
mon chéri. À l'heure là, il est en train de se concentrer sur sa carrière musicale à cause de Tiesco le Sultan. Je ne parle plus, je ne cause plus avec Mimi Beauté. Oui, parce qu'il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Il n'a jamais dit que la femme doit honorer ses grands frères, ses soeurs. Foutez-moi la paix. Mimi ne va prendre balle perdue. Voilà une qui est couchée en bas de son juif, de son chéri, en train de faire les bonnes choses. Moi, j'ai envie d'être heureuse. C'est en ce moment précis, mes frères vont venir dedans pour dire que je le sais. Hey, cette histoire-là, il y aura rip dedans. Ceux qui a dit c'est Lolo Beauté. Parce que tant que je suis avec mon Tiesco, oui, actuellement c'est love. Je dis, laissez-moi vivre mon amour. Oui, le temps que ça va durer, si Dieu dit ça fait un mois, les un mois, je vais m'asseoir, je vais vous dire que j'ai profité de les un mois. Si c'est deux mois, je vais vous dire que j'ai profité de ces deux mois. Si c'est dans 10 mois, je vais vous dire que j'ai profité de ces 10 mois. Pour la première fois, je tombe sur un homme qui répond à ma capacité physique, morale et pectorale. Vous pensez que je suis en train de m'amuser? Vous m'avez une fois vu faire un direct tôt le matin? Hé! Il a dit, on va gâter les réseaux sociaux. Hein. On va nier. Parce que je ne suis pas trop normal. Parce que là, c'est Tiesco que je vois ou rien. Le reste, vous ne m'intéressez pas. Vos commentaires, leur beauté est un Américain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un Français? Tiesco, il est Français. Il y a Français et Américain. Hein? J'ai laissé Américain. J'ai pris Français. Vous êtes en train de venir juger leur beauté. Ah oui, leur beauté, ça veut dire que tu es marié, non? Donc tu es adultérié. Je suis une mougousseuse. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Oh. Amen. Je n'ai rien à regretter. Oh. Amen. Je suis avec mon Tiesco. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je suis mélodieuse maintenant. Comment vous me voyez, vous ne voyez pas que c'est une autre Lolo Beauté qui est là. Hey! Achao! Kosia ma baby! Kosia ma baby! C'est sur moi ma vie, vous allez arriver. Vous pouvez diriger ma vie. Une femme qui a créé ses sociétés. Une femme qui a fait. D'ailleurs, je vous pose la question. Vous dites que Lolo Beauté n'était pas mal. Actuellement, là, je m'en fous de ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est mon tatami. Là où se passe le ring. Le reste, je n'en ai rien à foutre. C'est moi, Lolo Beauté, qui vient vous parler. Je me pose la question. Quand vous dites que oui, Lolo Beauté est un Américain, c'est moi qui viens vous dire qu'il y a 5 enfants. Qu'est-ce qui prouve même que Lolo Beauté a 5 enfants? Quand vous voulez mettre Lolo Beauté en train de mentir sur sa vie, là, c'est moi, je vous donne les informations et puis vous commentez. Qu'est-ce qui prouve aussi que Lolo Beauté a 5 enfants? Parce que c'est moi, je suis venu vous dire. Si je vous demande de prononcer, de dire le nom de tous mes enfants, vous serez incapable. Peut-être que les noms que vous avez donnés, c'est des faux noms. Quand c'est dans le mauvais sens, là, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qui prouve sur la toile là, que Lolo Beauté a vraiment 5 enfants? Je vous pose la question. Quand c'est dans le mauvais sens, là, ah oui, c'est que Lolo Beauté l'a dit, c'est vrai. Elle a 5 enfants de 5 pères différents. Pourtant, c'est moi qui suis venu vous dire qu'il y a 5 enfants. Oui. Vous avez une fois vu les extraits de naissance de mes enfants? Donc pourquoi vous ne venez pas dire que oui, Lolo Beauté, tes enfants là aussi tu mentes. Mais ça fait de vous penser que le mariage, ça trouve dans votre tête, ça vous fait, ça vous prend. Je me marie quand je veux, je divorce quand je veux, je mourrou quand je veux. Je peux avoir bague dans ma main. Je tombe sur un homme qui a pris mon cœur, je mourrou. Est-ce que garçon a un sentiment de nous les femmes? Garçon même a bague dans sa main. Il dépose bague, il va à l'hôtel. Mais chérie, je suis une femme libertinage, dans le libertinage. Je vis selon ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon corps. Est-ce que j'ai prêté votre corps? Maman, elle est jalouse aussi. Vous êtes jalouse de mon bagnon. Vous êtes jalouse de mon tatami. Mes draps qui sont toujours mélangés le matin. Est-ce que toi, ton drap est mélangé le matin? Tu dors toujours sur une même place. Il n'y a personne qui va te roucasse-casse. Hé, hey, allez là, il y a 15 ans. Allez là, j'ai 15 ans, partagez-moi le direct. Toi, l'unique, quand il est te prendre là, tu penses que tu as bouche? J'ai dit à mon chéri, n'a qu'à faire vieux ignorer. Mais quand lui va te prendre, il va dépasser les frontières. Vous connaissez bouche de mon chéri, Tiesco?
Vous connaissez sa bouche. C'est moi qui suis en train de demander, mais en train de faire changer mon rôle. En train de faire changer mon bagnon. Je vais le mettre au sommet. Je dis, bébé, concentre-toi sur ta musique. Laisse. Tu as une lionne dans ta vie. Concentre-toi sur ta musique. Moi, j'ai déjà réussi ma vie. Concentre-toi bien sur ta musique. Plus tu vas te concentrer sur moi la nuit, le matin, tu seras plus inspiré. Vous allez voir les sons qu'il va faire sortir. Laisse tomber, il chante bien. Toi, l'unique, à faire de musique, là, j'arrive sur toi d'abord. Actuellement, ton cœur est en train de battre, il a cassé tes papos. Tu me connais? L'unique, je vais casser tes papos. On va voir en toi ta vie. Et puis moi, ma vie, quelle est la plus intéressante? Oui, oui, oui. Je vais casser tes papos en plein direct. Parce que vous voyez les garçons qui parlent là. Les garçons qui viennent mettre les loups commentaires là. C'est parce qu'ils rêvent dans leur grosse tête là. Comment se coucher un jour sur leur beauté? Parce que oui, j'ai un corps de la gloire. Je ne suis pas grosse, je suis portable. J'ai fait 5 enfants, mais j'ai un corps portable. Laissez-moi qu'on me porte. Laissez que... Tu sais ce qu'on voyage avec mon âme? C'est votre âme? Mon chéri, tu sais ce qu'on voyage avec mon âme? C'est avec votre âme? Il voyage avec mon corps, c'est avec mon corps. J'ai 12 ans, mais merci. Merci, Becho. 12 ans, c'est mineur. Il préfère 15 ans. Au moins, il y a des filles de 15 ans en Europe là-bas. Oui, parce que j'ai un esprit européen. Oui, il y a 15 ans. 12 ans, c'est trop petit pour moi. Vous savez ce que j'ai fait? Toi, tu vas te lever là-bas. Comme oui, tu dois être avec un homme de ton niveau. Regardez-moi cette préhistorienne-là, d'Aïcha la Camoise. Tu n'es pas camerounaise. Parce qu'une camerounaise, elle va où là où son clito bat. Mais toi, je commence à douter de toi. Tu es bizarre. D'abord même, tu as une taille bizarre. Tu as des propos bizarres en faire leur beauté. Je ne dis pas que tous tes propos sont bizarres parce que je l'aime bien. Ça coule ça, je dose là. Tu es. Je dose. Va t'occuper de tes 42 petits poils qui sont en bas de toi là-bas. Et puis laisse pour moi là. Tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Va t'occuper de la personne qui va te pilonner, qui va te mettre le planter là où il faut. Laisse pour moi là en paix. Ma chérie. On me mougou, toi tu mets matelaton dans ton pétou. Où est le rapport? Aïcha la Camoise. Ah oui, 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 oui. Il faut que je te parle. Moi, on me mougou. Mon chéri me mougou. Et toi, tu prends 10 pas boîte de matelaton. 3 double XXL. Tu as gardé ça en bas de toi. Sous ton lit. Et tu prends, tu frottes ça en bas de toi. Où est le rapport? Où est le rapport? Oui. Leur beauté est âgée, mais laissez-moi finir l'eau que mes enfants ont contenu dans mon ventre. Actuellement, quand il me prend, l'eau a fait wow, je me sens déchargé, libre. Libre, je suis né. Libre, venu dans ce monde. Libre, je retournerai au Père. Laissant critique, haine et jalousie des internautes. Libre, je dois gré. Libre, je vais gré en brie. Libre, mon tiesco va me prendre comme son bébé chéri et doudou pour la vie. Vous ne voyez pas comment je suis inspirée? C'est avec une femme comme moi. Maman, vous pensez que j'ai changé? C'est avec une femme comme moi, aux multiples talents, on doit me décorer dans ce pays-là. Parce que grâce à moi, les femmes vont s'afficher librement avec leurs chéris. Les autres que j'avais là, c'était dans la quarantaine. Maman, c'est des hommes qui sont dans les... Maman chérie, laisse-moi, quand il chaque à moi, je vais t'asseoir. Je vais te parler de mon parcours moralistique. Mon premier mari est plus de 17 ans tout nous. Maman, quand on met Tchoukou, c'est le juste qui fait et puis je fais sortir les enfants. À 18 ans, je suis là, 18 ans, on doit me coincer, on doit me brutaliser. Aucune brutalisation. Je sors de là, je m'en vais m'attraper encore un autre, qui est un gros bangala. Maman, le bangala, il faut que je chiffre ça pour que ça se lève un peu. Avec les médicaments, écrasé sur les médicaments. Les quintos avaient pris ma main, tellement j'écrasais les médicaments. Tu penses qu'à mon âge, je dois encore avec les vieillards? Maman, écraser le médicament de coco. Je suis fatiguée. Fais bouillir le médicament de coco. Pour dire, bébé, viens, on va te piriger. En attendant.
faire avec ces hommes-là. Parce que prendre un homme à partir de 45 ans, prépare-toi à écraser les médicaments, aller payer les agrimoteurs de comment on appelle ça, l'unique fraîche Boda. Oui, 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 c'est son nouveau nom. Aller payer les médicaments de l'unique fraîche. Comment on appelle son médicament là-même? Oui, je vais me blesser. Agrimoteur de l'unique fraîche Boda. Je vais écraser jusqu'en mon dos va me faire mal. Pourquoi? En amour, on doit être heureux. Pourquoi vous, votre amour avec les personnes âgées là, c'est un amour stressant, à caractère espérant. Je vais espérer que quand j'ai fini de le soigner là, la nuit, il pourra faire quelque chose. Je ne suis pas à cet âge là. Non, je refuse au nom puissant de Jésus de prendre un homme au Bangala inachevé. Dis Amen. En 2022, en 23, refuse de prendre un homme à l'éjaculation précoce. Au ras, cet enfant est innocent. Je refuse ça dans ma vie. Tu crois que je suis là pour l'apparence? Non, je vais prendre un homme élégant qui va venir à côté de notre beauté parce que je dois plaire à qui? À vous. C'est la question là qui me démange. Je dois venir vous présenter forcément un homme élégant, un homme chic, avec veste et caleçon 3XXL, alors que lui-même, son kiki est XS. Et puis venir dire, Jean, le côté heureuse, voilà mon homme. Maman, un colis voyageur. Je vais faire quoi avec ça, maman? Aïcha la Camoise. Donc, c'est les gens, c'est de vieux, toi, tu cherches. Pour aller masser, chercher les médicaments, les feuilles, le kwanga, pour venir lui donner, pour qu'il soit robuste. Par rapport à quoi je vais me fatiguer sur un homme? Par rapport à quoi? Tu es une femme, tu travailles, tu as des petits moyens, cherche la personne qui peut te mettre bien. C'est une nouvelle révolution que je vais créer, vous me connaissez, non? C'est une nouvelle révolution. À bas les hommes au coco, à bas. À bas les hommes aux cravates remplies de coco, à bas. Pas les hommes aux cravates, la nuit rompent jusqu'à ils font caterpillar. Il y a les hommes qui rompent jusqu'à ils font chanson dedans. Pousser des marées, à bas les hommes, pousser des marées, à bas. À bas les hommes au moteur bousillé, à bas. En 2023, on prend les hommes qui ont le balazunga à leur place. Les hommes virils, oui. Même s'il est pauvre, ma chérie, va prendre ton pauvre lot, lave-le, mets à la table des rois. Ce pauvre lot là, c'est qui va te donner? Le riche ne pourra jamais te donner ça. Ce pauvre lot là, c'est qui va te donner? Celui qui a taché son cou, André, avec ce pauvre là, il va jamais te donner ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le beauté a compris ça. Je vais aller me mettre avec un homme grand de taille, élégant, avec un veste élégant, on mange. La plupart même des garçons même qui disent je suis choco, je suis célèbre. Maman, le bangala, il faut chicoter ça pour que ça s'élève. Pourquoi tant d'efforts pour un plaisir naturel? Adama. Pourquoi convoquer moi aussi l'on est la fracasseuse? J'ai deux mots aussi pour elle aussi. Pourquoi aller pousser une personne avant que ça démarre un peu pour me faire un petit nengenengue? Non. J'atteins un certain âge. Je n'ai même pas encore 40 ans. Laissez-moi vivre. Je n'ai même pas encore 40 ans. Laissez-moi vivre. Ou mais c'est parce que j'ai déjà fini de faire mes enfants. J'ai 3 enfants et j'ai 5 enfants. Mon chéri en a pour lui. C'est 3 enfants. On a 8 enfants. Allez là, on doit se faire bien. Le problème, il est où? Mon chéri, il est français. Si j'ai dit bébé, mon pétou me démange. Le lendemain, net à 18h, il est sur Air France. Premier vol, direction. Si je suis à Bidon, on se grait. Je suis en France, on se grait. On peut aller partout, on se grait. Votre problème, il est où? Laissez-moi grait dans la paix du Seigneur. Sinon, vous allez prendre les balles perdues. Aïcha Camoise, je t'aime bien. Cherche-toi un babineke qui va te faire ça propre. Et puis, tu vas fermer un peu ta bouche. Tu parles trop. Un homme doit te pilonner. Tu vas prendre au moins 30 cm sur ta taille. Ça va te faire du bien. Plus jamais tu vas venir parler, maman, des histoires de lit de Lolo Beauté. Ça, c'est pas ton domaine. Tu es trop petit dedans. Ce socle-là, tu es trop gawaz là-dedans. Laisse. Tu parles beaucoup, mais tu ne connais rien. Je vais t'apprendre.
Regarde toi-même là où tu es. Tu as des enfants aussi, non? Tu as beaucoup d'enfants aussi, non? Maman, pour grandir un peu, je vais te donner le remède. Aïcha la Camoise, pour prendre un petit centimètre de taille, cherche-toi un babilinqué en brousse. Oui, c'est le remède. Prends un babilinqué en brousse, un cultivateur d'igname de Sakasaka. Oui, il va te pilonner, tu vas voir. Un coup, on va te voir, ton cou est sorti, tu as grandi. Tu vois pas comment Lolo Beauté ressemble à une petite fille de 15 ans ces deux jours-là. Je fais les trucs des filles de 15 ans. Parce que quand tu es un bon pilonneur, tu retrouves ta jeunesse. Tu retrouves ton humour de 15 ans. D'aller prendre les vieux pour attacher trois pailles. D'aller prendre les vieux pour écraser les médicaments. Appeler l'unique baker. Donne-moi un gris moteur. Moteur même assis par terre. Moteur même me regarde. Je ne peux pas, je n'ai pas ce temps-là. Je consomme la chair fraîche. J'ai attrapé mon bagnon, je ne laisse pas mon bagnon. Je suis avec lui jusqu'à à ce que Dieu va décider que c'est le moment. Vous, votre problème, il est où? Quand Lolo Beauté, c'est buzz. Non, Lolo Beauté, c'est pas buzz. Les gens sont en train de se buzzer. Vous vous dites que oui, c'est buzz. Ça, ça n'engage que vous. Je n'en ai rien à foutre. Maintenant, toi, Mimi Beauté, je n'ai pas mis en titre. Je vais te garantir, toi, Mimi Beauté. Parce que tu es une soeur, une petite Maplaos. Oui, oui. Ne dites pas qu'un garçon divise une famille. Oh, oh. C'est quand une famille veut que les soeurs travaillent pour eux. Les soeurs soient leurs esclaves là. Ça roule, ils se sont remplis sur ma vie comme ça. Vous êtes en tas sur ma vie comme cela. Libérez mon âme, libérez mon pétou. Libérez ma vie. Toi, Mimi Beauté, qui es femme comme moi. Toi, tes nuits sont remplies, non? Tes nuits sont remplies, non? Maintenant, moi, je m'en vais m'attraper pour moi. C'est maintenant vous allez venir faire jugement sur pour moi. À bas pied. Je dis à bas pied. À bas pied du premier. Hé, hey, on va lancer les chaussures ici. Toi, tu as bouché que moi. Regardez-moi cette grande soeur immature. Là. Toi aussi, tu as venu parler pour que tu dis je l'appelle, elle ne décroche pas. Quand oui, tu as ce que tu es en train de faire là. Toi, toujours, les personnes façon là. Moi, il t'a dit que moi, mon chéri est façon. Apprenez à respecter mon homme, je vous le dis. De la manière je respecte votre condition de vie, de la manière je respecte votre choix, respectez mon homme. C'est tout ce que je vous dis. Et mon homme, là, vous allez le respecter de gré ou de force, parce que c'est la femme qui fait son homme. Et de toute façon, je vais le faire là. Vous serez obligés de le respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Ne dites pas que oui, à cause des garçons, à cause des nerfs. Hé! Hé! Ce que tu es, ce qu'on me donne sur le lit, là, Mimi, tu m'as jamais donné ça depuis qu'on est né. Jamais. Donc, faut être très court. Surtout toi-même, là, je te guette. Faut être très court. Sinon, c'est la première fois qu'on voit qu'il y a clash entre les Makoso. Oui, oui, à cause de Bangala. Oui, oui. On va voir qu'il y a clash ici. Je vous mets en garde. Je lance les hostilités. Maintenant, toi, l'unique Becker, pour lui, là-même, là, attends. Attention. L'unique, assieds-toi. Qu'est-ce que je voulais? Un peu d'eau. Viens t'asseoir. Vous me prenez pour une vieille, genre j'ai perdu mes réflexes. Assieds-toi. Tu crois que tu as d'abolo dans ta gueule là? Viens t'asseoir. Il est où? Je viens à toi. Il change de position. L'unique Becker. Viens t'asseoir ici. Parce que tu as parlé. Tu parles trop. De toute façon, tu parles trop là. Tu ne mourras pas bien. Si on dit qu'il a dit, c'est mon Lolo Beauté. Parce qu'un garçon qui fait pior, 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 là. Faut vérifier. Tu mourras, hein, mais tu ne mourras pas fort. Viens t'asseoir. Toi, tu crois que tu as bouché que moi. Mon chéri ne va même pas se rabaisser à toi pour venir te répondre. C'est moi, je vais te répondre. Tu mourras, hein, mais tu ne mourras pas fort.
je vais t'apprendre comment on doit mourir. Moi, femme, je vais t'apprendre comment on doit attraper une go. La cadena. Faire le recto verso. C'est moi, Lolo Boteye, t'apprendre ça. L'unique, viens t'asseoir. C'est sur moi tu es arrivé. Moi, tu as oublié mon adresse. Tu as oublié, moi, mon adresse. Moi, je ne suis pas dans la chose que lui, on est en train de s'arranger. C'est toi, donc, toi, dans mon caleçon, que toi, tu vas arriver. Toi, tu veux laper mon caleçon. L'unique, assieds-toi bien. On a dit ici que tu avais cornichon. On a dit sur la toile ici que tu avais cornichon. Hé, hey, prends beurre de qualité. Appui. Oui. Écrase les deux là. Commence à masser ton bangala. Parce que quand j'ai fini avec toi, tu vas respecter mon homme. Quand je vais finir avec toi. Parce que j'ai vu, tu as fait 2, 3, 4 vidéos. J'ai dit l'enfant est en train de s'amuser. Mais l'enfant devient très sérieux. Il faut que j'attrape tes couilles. Je vais attraper, on va voir toi et moi qui va lâcher pour lui en plaigner. Moi pour moi, là, c'est en bas de moi. Tu vas prendre ça pour tirer. Au moins, tu vas prendre quoi? Mais là là. Mais là là. C'est ça là, il était giflé. Tu vas avoir 4-4. Viens t'asseoir. Je vais t'apprendre ce qu'on appelle le respect. L'unique Baker, je vais casser les papos aujourd'hui. Non, je ne suis pas une casseuse de papos, mais je vais vous donner des indices. Viens t'asseoir. Toi, l'unique Baker. Actuellement, il s'est fait appeler quoi là même? Je ne sais pas. Il a une nouvelle page là. Parce que quand je vais parler, les gens vont dire non, c'est sur quelle page il allait faire. Il a une nouvelle page. Toi, tu vas t'asseoir pour parler de Tiesco le Sultan. Bon, toi aussi. Bon, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Mais toi, toi l'unique, tu as venu ouvrir ton dagolo là aussi. Pour venir dire lui-même la même. Il est quel bon artiste. Toi, tu es quel bon cuistot. Tu es quel bon cuistot. L'unique Baker. Depuis, tu nous as dit ici que tu fais la cuisine. Jamais on a mangé un de tes plats, une de tes recettes. Tu veux qu'on en parle? On va t'avoir aller pas à pas avant d'aller maintenant à la vitesse supérieure. Tu dis que moi, mon chéri, je chante pas fort. Toi, tu cuisines quoi? Petit pisseur de fourneau pour péter. Toi, tu peux venir parler moi, mon chéri? Oh oui, lui, il chante pas. Toi, depuis, tu dis que tu es le cuisinier international. Tu prépares quoi? Tu prépares quoi? On allait à la télé-réalité là, tu as préparé quel bon cuistorisme. Et puis on a mangé. Tu es nul. Tu es très nul. Toi aussi, tu as venu t'asseoir. L'unique Baker. Papa n'a fourneau contrôlé. Toi, tu vas venir parler de moi, mon chéri. Comme moi, mon chéri ne chante pas bien. Toi, tu cuisines quoi? Parlons-en. Si lui ne chante pas bien, tu vas préparer, il va manger, il va bien chanter. Il a dit, 2023, tu vas cuisiner. Lui va manger puis il va chanter fort. C'est le défi que je te lance. Toi aussi, tu as venu t'asseoir. On te voit dans une cuisine ou bracata. Je ne sais même pas dans quel restaurant. Il est là, il tourne. Même pour découper un oignon, il fait ça. Il veut nous impressionner en des découpages d'oignons. Ta formation que tu allais faire en Europe là-bas, là, ton diplôme que tu as eu là, c'est découpage d'oignons et de tomates. C'est la formation de découpage de légumes. C'est ça que tu es venu nous dire. Je suis un cuistot. Mon cul. Cuistot, je suis assis par terre. Puis cuistot m'a arrêté là. Cuistot me regarde. Cuistot m'a assis là. Et puis cuistot m'a arrêté. Tu as cuisiné quoi de bon? On t'a dit avec un bon diplôme. Ta carrière cuistorique a arrêté comme cela. Comme ton petit cornichon là. Vous vous ressemblez, hein? Vous deux, vous êtes là, puis vous vous regardez. Voilà cornichon, voilà cuistot. On peut être cuistot comme cela. Papa n'a fourneau contrôlé. Toi, tu vas venir parler de Tiesco. Quand lui, on ne voit pas quel artiste, depuis là, sa carrière, sur ta carrière cuistorique est où? Toi-même qui parles là. Parce que c'est très facile de lancer la pierre au chéri des gens. Toi-même, ta carrière elle est ouf. Tu as soufflé fourneau d'Abidjan ici. Tu as soufflé fourneau. Tu as soufflé fourneau. Maman, le chef cuistot allait prendre bateau. Ou alors aussi un petit tilapia. Nageur professionnel. Tu as nagé. Moi, mon mari, là, tu sais à quel âge il est arrivé en France? Il avait l'âge de 5 ans. Oui. Mon petit cuistot de merde.
Viens, j'ai à te parler. Tu veux te comparer un peu à lui, tu veux parler de sa vie. Mais je vais te montrer comment il est plus fort que toi. Lui, quand il partait à Paris, là, il avait l'âge de 5 ans. Il n'a pas nagé avec les requins. Il n'a pas été un petit tilapius pour nager comme cela, lutter les requins pour arriver en Europe. Toi, tu dis que tu es fort que lui, là. Mais lui, il est monté d'avion. On allait le déposer avec tous les honneurs. Quand il arrivait même à l'aéroport, c'est les militaires français qui l'ont escorté. Bon, ça, là, il est mort. Hein. Mais on va se... Il a dit, on va se frustrer ici dans ce pays-là. Toi, tu me connais. Pour mon Tiesco, là, on va aller au front. Oui, oui, oui. Quand Tiesco quittait la Côte d'Ivoire, à l'âge de 5 ans, un petit innocent, quand il est arrivé en France, c'est l'armée française qui est arrivée à l'aéroport. Il y avait au moins 50 corps habillés à droite. Il y avait des maréchaux à gauche. Et puis, ils étaient en train de l'escorter. Tiesco, Tiesco, le rebelle. Toi, tu peux parler avec moi, mon chéri. Quand il est arrivé à 5 ans, aujourd'hui, tu sais pourquoi il a assis en Côte d'Ivoire et puis papi ne le fait pas? C'est parce qu'il est français. Toi, tu es quoi? Tu es quoi d'abord? Allons-y sur certaines bases. Je vais te rappeler ta nationalité. Je vais te rappeler ton parcours, ton circuit scolaire de merde. Oui. Quand lui, il est arrivé à l'âge de 5 ans. Toi, d'abord, tu as déjà beaucoup toutes les filles d'Abidjan. Donc, toute la poisse t'accompagnait parmi les voyageurs Roquerex de Tilapius. Nager, arriver en Europe. Lui, il a pris avion. Tu es parlé à quelqu'un comme cela? Toi-même, on est au même titre, en train de lutter à la préfecture. Tiesco, le sultan, est un digne représentant français. Mon chéri, là, c'est un français. Oui. Toi aussi, tu as venu ouvrir ton dabolo, là, pour venir parler à mon chéri. Donc, côté 1, côté carrière, toi, tu as venu nous expliquer ta carrière fournostique. Ta carrière de fourneau contrôlé, là. Tu as venu nous dire ça à quel niveau. Avant que moi, mon chéri, ne te dise que lui, sa musique est à quel niveau. Ça, c'est déjà un. Côté maintenant Europe, là. Parce que tu es assis en France, là-bas, en train de lutter avec les fourneaux. Voilà et quelqu'un qui fait la plonge en Europe, là-bas. Toi, tu es venu parler avec mon chéri. On le voit dans la cuisine, on dit, va laver les assiettes. Il s'est caché, il met sa caméra, et puis il découpe oignons et tomates. J'ai les cuistots. Hé, tu parles à une daïreuse. Pour mon homme, on va se casser les papos ici. Oui, 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 on va se casser les papos. Donc déjà ça, tu ne peux même pas parler de lui. Tu n'es même pas celui-là qui doit dire que je ne veux pas que l'on beauté soit avec toi. Et de deux, ce que vous ne savez pas. L'unique, gratté là, pourquoi tu es quitté là-bas? Toi, tu dis que tu es un garçon pile, ma taille, tu vois que c'est la taille qui mou. Mais ma taille, tu sais pas qu'il y a des personnes grandes de taille baisse. Tu sais pas qu'il y a des personnes grandes de taille, le bangala ne se lève pas. Tu envoies ici les garçons grands de taille, robustes. Il y a même un petit lot coco de coco qui a sorti de là-bas, tellement que c'est mort. On appelle ça l'eau glacée. Donc ne me parle pas de taille, ne me parle pas de carrière, parce que tu n'en sais rien. Mon petit, tu es trop petit dans mon affaire. Même pour gratter, te fuis. Ah oui, oui, oui. Maintenant, tu me parles de quoi? Tu es avec qui? Parce qu'un garçon qui doit passer son temps à satisfaire une femme ne parle pas sur le caleçon percé de sa camarade. Fiche la paix à mon caleçon percé. C'est pas ton problème. Ou bien, tu voulais venir me draguer parce que je vois dans vos yeux. Moi, tu penses que parce que deux jours, moi, je suis une femme de chaud. Moi, je m'amuse pas avec le bon galon. Ou bien parce qu'on allait à Bordeaux, je me suis frotté un peu à toi, la paix un peu tes oreilles, c'est fini, tu es devenu amoureux de moi. Il faut dire à celle que tu es là, que tu es amoureux de Lolo Beauté. C'est ça la véritable vérité. Vous ne savez pas pourquoi l'unique est sur ma vie comme ça, il ne veut pas laisser, il ne veut pas lâcher mon caleçon. Il a déchiré tout mon caleçon. Tu veux quoi maintenant? En train de fouiller dans mon caleçon, tu cherches quoi? Dis à celle avec qui tu es à présent là, que lui, quand tu la vois, tu vois Lolo Beauté. Quand tu embrasses Lolo Beauté. Quand tu la pilonnes, tu penses que c'est Lolo Beauté qui est en bas de toi. C'est ça la véritable réalité.
Oui. Tu veux qu'on gâte, on va tout nyarani. On va nyarani. A nyarani ka boti ka biye si san la. N'te se kalo. Mimi biye si san non. N'te se kalo. A flé ibenae. Oui. Tu fais parler de mon caleçon. Mais est-ce que, oui, Estelle, le mec, je vais défendre mon homme. Oui, je suis prête pour lui, aujourd'hui comme demain. Qui me fait sur les réseaux sociaux, il n'y a personne. Qui m'ouvre actuellement plus que l'autre beauté, il n'y a personne. Actuellement, là, c'est moi, pour moi, là, qui bat. Donc, je vais défendre ce qui me rend heureuse, là. Vous allez comprendre ici, qui a fait des bangalas, là, Rip va sortir dedans. Oui. On va tous se gâter sur la toile. Oui. On va gâter tout sur la toile. Toi, l'unique. Il y a princesse qui dit, Lolo, t'es calme, toi. Je suis très calme. Hein? Ah oui. Je suis très calme. Mais j'ai un petit genre. Quand je fais mes directs, c'est un show. Oui. Sinon, que je suis très calme. Une femme qui vient de mélanger tout son drap actuellement. Actuellement, tu penses que je peux être surexcitée? Non. Mais je remets les pendules à l'heure. Oui. Tu es en train de lutter sur mon caleçon, là. Tu as dit à ta chérie que tu n'arrives pas à bien chocolat. Que tu es amoureux de Lolo Beauté. Parce que remarquez bien, les garçons qui sont sur la vie de Lolo Beauté là. Les garçons qui viennent insulter Lolo Beauté là, ils ont le comportement des élèves de CP1. Quand les élèves de CP1 sont amoureux d'une fille là, oui, il faut qu'on insulte pour qu'on attire son attention. Mais laissez-moi vous dire, aucun homme blogueur sur la toile ne m'intéresse. Parce que vous avez le kiki frélanté. Oui. Parce que les garçons qui parlent beaucoup, mais qui ne parlent pas fort, là, ça balance comme ça dans votre caleçon, là. Mais rien, ça ne peut pas effrayer nos beautés. Je me suis faufilé là-bas pour aller voir s'il y avait un digne là-bas qui pouvait représenter au moins le caleçon de Lolo Beauté. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. J'ai bloqué. Les caleçons sont frileux. Il n'y a rien. Fouille ton bourreau. C'est mon Lolo Beauté qui a dit ça. Donc laissez-moi aller du côté musical. J'ai essayé un côté blogueriste. Toi-même, l'unique. J'ai fouillé. Je n'ai rien trouvé là-bas. J'ai dit, assieds-toi, mon petit. Tu es trop petit pour moi. C'est pas ma dose. Donc, parce que j'étais touché un peu, c'est fini. Tu as venu faire parler de mon caleçon. Il faut dire à celle avec qui tu es là que tu es fan de Lolo. Parce que c'est ça le véritable point. Quand un garçon est toujours sur la vie d'une femme là, et qu'un garçon est toujours dans le caleçon d'une femme là, c'est parce que le caleçon l'a hanté. Quand il n'a pas pu attraper le caleçon, ça lui fait mal. L'unique, il ne faut pas faire parler de quelqu'un d'autre. Parce que tu connais ce n'est pas là. Qu'il faut être bourreau. Il faut faire toi-même ton palabre. Parce que tu n'es pas garçon. Comme moi, mon chéri parle là. Vous ne voyez pas, il ne parle pas fort. Mais quand tu entends sa voix, tu sais que c'est un garçon qui est en train de parler. Quand est-ce que le sultan est en train de parler, il ne parle pas fort. Mais le raisonnement et la tonalité de sa voix, tu sais que c'est un garçon pile qui est en train de parler. Quand lui parle, il dit, je suis garçon. L'unique, tu n'es pas garçon. Là, tu es une femmelette aussi. Faut pas faire, je vais parler. Faut pas faire parler ici. Hein. L'unique, je t'ai appelé combien de fois? Il t'est toi. Il t'est fait qu'à toi. Ablala. Mille qu'à fora, qu'à froto, qu'à bla, bona la quoi. Ibena Botika fraîchissant. C'est moi Lolo Beauté qui dit ça. Tu me connais. Tu vas attraper mon caleçon. Je vais attraper tes testacroix. On va courir ensemble. Tu me connais. Faut te calmer, mon petit. Tu es petit. Mon chéri, là, le son même de sa voix. Il n'est pas efféminé. Il n'est pas comme vous qui êtes toujours en train de parler là. Quand toi-même tu le vois, tu sais que c'est un garçon. Et un garçon pile. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Des petits blogueurs aux zizi frélatés. Et aussi vous venez parler. Et puis, mais attendez. Mais attention. Mais attention. Il faut que je vienne mettre les pendules à l'heure. Sinon, vous allez penser que vous êtes fort. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Je le dis aujourd'hui, je le répète. L'unique Baker
est amoureuse de Lolo Beauté. Vous pensez que quand ils vous disent Lolo Beauté même, elle n'est pas jolie, Lolo Beauté même, elle est ceci, Lolo Beauté même, son caleçon est ceci là. Mais oui, Lolo Beauté est en train de mourir actuellement. Avec celui qui a la gueule la plus sale des réseaux sociaux. Ça fait des mois, on pilonne. Depuis, elle n'est pas encore venue dire quelque chose. Hein. Donc vous, les petits rats des quartiers pépéteux là, de la brousse là, taisez-vous un peu. S'il vous plaît, laissez-moi évacuer le stress pectoral dans la paix du Seigneur, avec tout le respect honorifique que je vous dois. Sinon, je ne serai pas quelqu'un. Hein. Vous êtes en train de mettre un dragon au monde. Hein. Je n'ai peur de personne sur la toile. À bas bien, à qu'on n'est pas à demander. Je vais laisser ma nouvelle page, Lolo Beauté New. Lolo Beauté New, là, c'est pour moi, mon chéri. Là-bas, on love. Je vais vous montrer ce qu'on appelle love sur la toile. Oui, oui, je vais vous frustrer. Je vais vous frustrer. Vous qui dites que non, pourquoi tu n'as pas montré ton Américain en haute classe? Je n'en ai rien à foutre. On montre celui que quand son cœur même bat beaucoup là, c'est ça on montre. Mon cœur est en train de battre comme cela, même mon clito est en train de battre comme ça, c'est pour Tiesco. C'est pour lui là, je montre. Ça vous fait mal? Montrez pour vous, on va voir. Je vous mets en défi. Montrez pour vous là, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour moi, on voit. Oui, oui, oui. Parce que je vous ai déjà dit que je suis une mousseuse professionnelle. Je suis Tomo 6e. Hey! Attention! Je ne vais pas vendre le corps de mon mari moins cher. Attention. Les blogueurs aux zizi frélatés, là. Ce n'est pas un mon Lolo Beauté. Dans l'unique, toi, tu as bouche que moi. Tu as bouche que moi. Je suis en train de construire mon foyer. Je vois un petit fournotistique en train de se lever là-bas. Oh oui, toi Lolo Beauté, c'est mamie, c'est l'auto. Je te mets en garde. Petit zizi frélaté. Tu en fais partie aussi. Faut te calmer. Parce que j'ai revenu sur toi. Je vais annoncer d'abord. Le monde entier va savoir à qui je m'adresse, l'unique fresh boy. Loli. Loli. Faut parler à ta chose là. Faut parler à ta chose là, vous communiquez beaucoup. Faut parler fort à ce petit frélaté là. S'il ne sait pas bien planter une femme là où il faut, et que c'est Lolo Beauté fait venir pour venir faire un trophée, faut te calmer mon petit. Je prends au berceau, oui, mais je prends pas les zizi frélatés et les vendeurs d'eau glacée. Faut te calmer. J'ai de l'expérience en Mougouli. Donc là, ne jouez pas mon drone expérimental en Mougouli. Je suis très nerveuse lorsqu'on s'attaque à mon bongala. Je deviens très nerveuse lorsqu'on s'attaque à mon bongala. Attention, c'est de ça qu'il s'agit. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, Loli, à cette fois, il y a deux petits mots aussi à te dire, après la pause publicitaire. Pour avoir un teint propre soigné, vous contactez Lolo Beauté, oui, au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Pour ceux qui veulent le médicament de Bangala, même s'il a un zizi frélaté, allez-y chez Ludwig Brucker. Il paraît qu'il vend quelque chose là. Lui, c'est ce qu'il est en train d'utiliser. Pour essayer de redorer pour lui là. Redorer l'image de son Bangala. C'est ce qu'il est en train d'utiliser. Allez-y chez Ludwig Brucker. Allez payer Agrimoteur. Il y a la résidence que j'ai mise sur ma page Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une résidence, me plaît. Vous pouvez y aller. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent de l'Europe à l'Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. TAPTAPSEND. Vous téléchargez sur Play Store ou sur App Store l'application TapTapSend. Ils vont vous demander un code promo. Bien évidemment, vous mettez Lolo225. Avec ce code Lolo225, vous avez 5 euros ou 10 dollars offerts par l'application TapTapSend. Voilà. Loli, ton
micro que tu prends deux jours là pour chanter dans tes directs là, faut bien chanter, faut chanter fort, faut chanter fort. Chante fort, hein. Toi-même, tu n'as pas dit que tu es une papato internationale. Bon, pour toi, les mains, j'étais un coup d'œil sur ta page pour aller voir quelques critiques que tu allais faire sur moi. Je vais aller jeter un coup d'œil sur ta page. Deux, je l'étais trop concentré sur le bangala de mon chéri. Donc, j'ai commencé à aller jeter un petit coup d'œil pour qui critique le bangala de Lolo Beauté, qui critique la vie de Lolo Beauté, qui critique mes choses. Mais gare à la personne qui est en train de critiquer mon foyer. On va se critiquer ici en brie. Toi, l'unique, il n'est pas encore fini, toi. Tu n'as pas dit que tu te joues au garçon. J'ai venu te remettre ton zizi frélaté à sa place. Tu me connais, non? Tu me connais, non? J'arrive. Sur ce, c'était Lolo Beauté. Abonnez-vous massivement à ma nouvelle page Lolo Beauté News. Parce que, oui, mon love, là, c'est là-bas que je vais mettre. Il y a des chaque jour, je vais vous frustrer sur ma page. Je vais vous montrer, quand une femme aime, là, comment elle doit se comporter. Quand un homme aime, là, comment il va se comporter. La page Lolo Beauté News, ça sera une télé-réalité pour vous. Vous dites que Lolo Beauté ne s'est pas trouvé mari, Lolo Beauté ne s'est pas fait amourette, Lolo Beauté ne s'est pas fait... Ok, attention, ce que je vais vous montrer là-bas, 2023, là, on va se frustrer vivant. Vous allez afficher pour vous, là, on va voir aussi. Parce que vous êtes en train de critiquer pour les autres, afficher pour vous, là, on voit. Vous n'avez pas écrit, c'est vous qui parlez. Vous ne cherchez même pas à trouver pour ce que vous parlez. Il y a d'autres personnes qui disent non, Lolo Beauté. Tiens, est-ce qu'on va venir te dénigrer après? Quand on doit dénigrer une femme là, c'est le premier jour. C'est le deuxième jour. Si quelque chose n'est pas bon, on ne fait pas moi là-bas. On quitte là-bas. Laissez-moi vivre mon amour tout tranquille dans la paix du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Vous, vos paroles, vos commentaires, qu'est-ce que j'en ai à foutre? À l'air, je suis dans Bangala. Est-ce que parole ou bien évangile de quelqu'un peut entrer dans ma tête? Poussez là-bas. Je suis en train de vivre. À 13h. 30, je serai sur People Polémique. Et je vais vous frustrer. Oui, oui, oui. 2023, là, mettez en commentaire Lolo Beauté frustre nous. On va se frustrer vivant. Oui, oui. Les commentaires, ce que vous pensez, je n'en ai rien à foutre. J'ai vu Tiesco et puis je suis parti là-bas. Non. Qui a bouché Tiesco sur la toile? Qui a bouché lui? Mais moi, je suis arrivé là-bas, j'ai réussi à l'apaiser. Et puis, on est en train de vivre notre amour. Tranquille. Est-ce que moi, vos petites paroles, là, ça m'intéresse? Si moi je cherchais buzz, à chaque fois depuis le premier jour, vous allez me voir, lui et moi, tout en train de faire les directs, en train de faire les directs. C'est ça, on dit buzz. Mais je respecte mon mari. Ce que je lui dis, est-ce que ça là, on peut faire? Ce qu'il me dit, est-ce que ça là, on peut faire? On en discute et puis on fait. Vous prenez mougouli des gens pour être buzz. Restez là. À dire buzz, buzz, on est en train de se buzzer. Vous allez regarder ici. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, oui, 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 je... Voilà. Il y a Anna Marie qui dit, affaire de Bangala, là, aucune femme de valeur ne joue avec ça. C'est ça, ma chérie. Tu as joué avec l'affaire de ton Bangala. Hé, hey, c'est tout mon Lolo Beauté. Il a joué ça. Vous ne connaissez pas. Il y a Bangala et puis il y a Bangala. C'est à cause de ça, vous me voyez un peu. Je suis en train de défendre mon truc, mon élément. Là. Et on vous dit qu'il y a Bangala et puis il y a Bangala. Il y a les Bangala frélatés comme pour l'unique Becker qui se promettent d'un gros caleçon 3XXXL. Et puis il y a les vrais. Pardon, c'est pas qu'ils respectent mon mari que je ne les rends pas dans certains domaines. Oui, oui, oui. Mais je vais vous faire imposer le respect. Vous me connaissez. Je vais vous faire, vous allez le respecter de gré ou de force. Moi, Lolo Beauté, je suis déjà cabri mort. J'ai pas peur de couteau. Ces deux rebelles qui sont ensemble. Laissez. Quand j'ai libéré mon chéri pour dire une semaine, aucune case, vous le connaissez, il n'a pas de frère. Mais je prie le Seigneur pour que dans la lignée où il est rentré là, qu'il reste là. Oui, moi, 2023, là, je vais mettre mon homme en haut. C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Une femme de valeur, ce n'est pas celle-là qui doit toujours dire « Mon bébé, mets-moi en haut. » Non, je suis déjà en haut. Je vais prendre mon mari aussi, je vais le mettre en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, vos commentaires de quartier PPT, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous intéresse pas. Tant qu'on est heureux, tant que Dieu nous donne le jour, matin, la nuit, on dort, matin, on se réveille, on est heureux là. On fait notre vie. Et on va vous le montrer de gré ou de force. Vous allez voir les inspirations de mon chéri. Vous dites qu'il ne chante pas, non? Vous dites qu'il ne chante pas, non? On va voir qui a mélodie que lui. Conseil, on va aligner ça. Même conseil privé. Maintenant, là, ayez peur. C'est le groupe, c'est le couple Gringo. Les deux rebelles. Même vous n'avez pas peur de ça.
Vous, comment vous regardez Lolo Beauté là? Elle m'a dit bas bouche là. Vous regardez barbe de mon mari là. C'est deux combinaisons mais qui ne fait pas feu. Ne vous calmez pas, hein, ne nous regardez pas. Essayez de relever. Mais toi, Luni, comme toi, tu es ma personne là. Je viens, je donne pour toi. Je me cocotte à quoi? Tu me connais? Là où il y a tes nerfs là. Moi, je suis une go d'abobo. Hein. Je suis pas une go. Là où il y a tes nerfs là. C'est là là. Je vais prendre mon truc là. Il fait crochu. Regarde bien mes doigts. Je me cocotte. Et puis, il fait virgule. Tu me connais? Tu me connais? Joue avec mon chéri. Regarde, fais capture d'écran ça là. Et puis, mets ça sur ta page. Cocotta ça là. Seuls les abobolets ont formé ce cocotta là. Là où il y a ta nuque, là, où il y a le nerf sciatique là. C'est ça qui relie. Le nerf ça là, c'est ce qui relie au bangala. Je vais désactiver ton bangala que j'ai mis au cocotta virgule. Point d'interrogation sur ton visage. Tu vas connaître qu'on ne s'amuse pas le chéri de tout le monde. Ou bien parce qu'il est artiste, quoi, vous voulez vous amuser lui. Amusez-vous avec lui. Mais ce qu'on va vous montrer en 2023, vous serez obligé d'aller avec nous. C'est belge, non? Vous allez regarder. On va se peser ici en direct. Regardez là. Regardez-nous. L'unique, il y a combien de consens sur toi. Parce que deux jours là, tu m'as pris comme cible. Hé! Hey! Mon bangala, mon pétou, je te donne pas, oh, c'est forcé. Mon pétou, je te donne pas, oh, c'est forcé. Mon pétou, je te donne pas, oh, c'est forcé. Mon pétou, je te donne pas, oh, c'est forcé. L'unico, Lolo veut pas te donner, oh. Tu as un zizi petit, oh. Ça ne m'intéresse pas, oh. Laisse mon pétou là où il faut. Il y a des hommes matures qui peuvent s'en occuper comme Tesco. Tu es trop petit dans mon affaire de Mougouli. Faut te calmer. Calme-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas le genre de femme à scandale où quand je suis avec un homme, un autre va venir dire « Oui, j'ai les papos sur Lolo Beauté. Hey, » je suis une femme fidèle. Je suis une femme libre, indépendante. Une chef d'entreprise. Toujours, maman a deux avions, ça ne chauffe pas, c'est mon Lolo Beauté. C'est mon humilité là qui fait que tous ces petits rats de bas, de quartier pépiteurs peuvent venir parler sur moi comme les nuques là. C'est mon humilité. Mais maintenant, je vais imposer le respect. Je vais me mettre là où je dois me mettre. Mon pétou, là, je ne te donne pas. Pas, je ne te donne pas. L'unique bêteur, je viens rapper pour te... Vous m'avez oublié. Adam, mais on peut oublier quelqu'un comme cela. L'unique, je sais cuisiner que toi, même chef cuisson de mon cul. Je sais chanter même que toi. Oh, bah, il y a un verre qui est cassé là-bas. Oui, c'est la voix de Lolo Beauté. Je grais jusqu'à la mort. Je vais grais jusqu'à la mort. Je vais grais jusqu'à la mort. Graissons-nous jusqu'à la mort. Je grais jusqu'à la mort. Tu grais. Jusqu'à la mort. Les problèmes des autres se trouvent en deux Mougouli. Ça se trouve où? Tu me connais? Faut pas laisser le bangala de mon chéri. Je vais tirer tes testacroix. On se pousse. Il y a des gens courus comme ça. On gazait comme ça ensemble. Tu me connais? On m'a pensé qu'il a changé. Hey, je suis bête. Je bois pas, je fume pas. Je suis lucide. Mais je vais t'allumer d'une manière. Tu vas comprendre que c'est pas un mari de tout le monde qu'on prend et puis on s'amuse. Tu veux manquer le respect à mon chéri. Je vais manquer de respect à ton zizi frélaté.